Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur The Crew pour une des dernières vidéos de l'année. J'espère que je pourrai continuer l'année prochaine à faire des vidéos. Malheureusement c'est absolument pas sûr, je ne sais pas ce que le futur me réserve, notamment la seconde. Voilà, on est sur The Crew pour un deuxième mini road trip parce que je crois que ça vous avait plutôt plu, hein, le premier mini road trip de New York à Miami. Non, de l'inverse, pardon, Miami à New York. Et là on va faire un autre road trip, on va faire Seattle, San Francisco, Los Angeles. Voilà, ça va être un petit trajet intéressant aussi en essayant de passer par la côte parce que en passant directement de Seattle à Los Angeles il ne faisait pas du tout passer par San Francisco, donc bon c'est pas bien grave hein. Voilà, bah on va commencer tout de suite notre petite route parce que la route est plus longue que la dernière fois quand même hein. Donc là on va peut-être pas forcément garder cette voiture parce qu'elle est bien, mais c'est pas ma voiture la plus rapide. J'ai un peu avancé sur le dans le jeu, pas terminé totalement l'aventure. Hein. Je sais que elle est pas très longue, mais bon, j'ai pas beaucoup beaucoup joué à ce jeu pour l'instant. Pas mal d'exploration. Voilà. J'espère que toutes les personnes, je sais qu'il y a pas mal de potes qui me suivent, qu'il y a pas mal de gens qui ont à peu près mon âge ou un peu plus jeune, un peu plus âgé. Donc si vous êtes en troisième l'année dernière, donc l'année 2014-2015, j'espère que vous avez pu passer en seconde, que vous avez eu le lycée que vous avez demandé. Alors je sais qu'il y en a qui sont dans des collèges où ils ont un lycée assigné. En général c'est un bâtiment qui fait collège, lycée, tout ça. Enfin bon, bref, si vous êtes dans le système des 8 choix comme à Paris, je sais pas si dans les autres villes c'est comme ça, mais en tout cas à Paris c'est comme ça. Ça commence bien. J'espère que vous avez eu vos lycées, vous avez eu votre premier choix, en tout cas que vous avez eu le choix qui vous plaisait, que vous n'avez pas été déçu. Enfin voilà. On va changer de voiture. Hop, garage mobile là. Alors, on va prendre une voiture. Si. Ouf. C'est chaud de conduire. Ouais, Street. Je vais prendre ma. Peut-être ma Mustang. Perf. Ouais, je prends un perf. Une Alfa Romeo. Je l'aime bien, elle est plutôt ronde, c'est joli. Excusez-moi les pitons. Bref. Donc, j'espère que vous avez, comme je disais, obtenu ce que vous vouliez, ce que vous souhaitiez. Moi, je vais au lycée. Et malheureusement, comme je disais en intro, je ne sais pas du tout combien de temps je vais avoir pour moi, combien de temps libre, parce que je sais que le régime va être intensifié. Donc bon, on verra bien si je pourrais continuer à faire des vidéos, s'il va falloir que je me mette à vous faire beaucoup moins de vidéos ou pas. Déjà que j'ai pas un rythme énorme, je sais. Voilà, on verra bien. Donc aussi je me disais pourquoi pas, même si ça prend pas mal de temps à préparer, faire une petite FAQ. Si pendant les vacances, là on est pendant les vacances de l'été 2015, on dépasse les 100 abonnés. Voilà. Si on dépasse, moi je veux bien faire une petite FAQ. Vous pouvez donc me poser toutes les questions, même si on dépasse pas les 100 abonnés, je pense que je la ferai quand même si j'ai cette question, bien sûr. Vous pouvez me poser les questions en message privé sur YouTube, sur Google Plus, je pense que vous pouvez m'envoyer des trucs, ou alors dans les commentaires des vidéos. Si vous avez des questions, pas des trucs trop personnels, hein, mais de toute façon, je pense que vous êtes habitué si vous participez souvent à des FAQ de youtubeurs plus connus que moi. Voilà, donc c'est. Allez-y, hein, lâchez-vous aussi sur ce que j'ai envie de faire. Sur le futur. Oh merde, je l'ai pas vu, excusez-moi. Voilà. Je tiens à vous remercier encore une fois pour tout ce que vous m'apportez. Enfin, c'est vraiment super. Tous les commentaires que je lis, toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Alors, je sais qu'il y en a par exemple. Avec qui j'ai joué sur X jeux, notamment The Last of Us, et qui après sont allés faire un tour sur ma chaîne. Donc merci beaucoup à vous. C'est vraiment super sympa
de prendre ce temps. Je sais pas si tout le monde ferait ça. Merci, merci. Voilà. De toute façon, pour ceux qui ont le PSN, j'espère pouvoir rejouer avec vous, faire des parties, tout ça, filmer ou non, hein, bien sûr. On peut faire des trucs non filmés juste pour le délire entre nous. Et voilà. J'espère qu'on pourra continuer à jouer ensemble. D'ailleurs, j'ai promis à quelqu'un une partie de Last of Us en multi, donc il faudra que je la fasse celle-là. Et ce sera sûrement avec d'autres personnes que j'ai déjà rencontré sur le PSN. Enfin voilà, on continue cette petite route. Franchement, c'est beau, hein. C'est vraiment très très beau. Je veux pas aller chercher la voiture parce que bon, c'est un peu chiant. Oh là là. Ouais, moi je suis un petit tag life. Alors, normalement je suis censé avoir The Witcher 3 bientôt, mais il y a eu une rupture de stock. Et on m'en a informé assez tard, donc ouais. Ah, The Golden Gate Bridge. Ah, voilà. Il est beau, il est magnifique. Je sais juste où on est là. Ah, c'est là le Golden Gate Bridge. D'accord, ok. Quand on vient par le nord. D'accord. Parce que je sais pas en fait où il se situait par rapport à la ville. À la ville même. Donc très bien. Le Golden Gate Bridge, magnifique. Hein. J'aimerais bien le voir en vrai. Peut-être qu'un jour, on sait jamais. Ouais, plutôt pas mal. Normalement, c'est un bon point pour The Crew. C'est vraiment les graphismes et le réalisme. Oup, allez, je vais mettre le point de navigation. À Los Angeles. On va le mettre où? On va le mettre dans des banlieues aisées. Allez, on va le mettre sur cette petite île là. Établir destination. Ok. On a fait en 6 minutes, je crois. Enfin, 7 minutes. Ouais, il va falloir que je speed un peu. Mais ça, si j'ai pas d'accident, voilà, ça daigne bien démarrer. Donc je disais pour la FAQ, allez-y, hein, posez-moi plein de questions. Plus j'ai de questions, mieux ce sera. Je pense faire sur un gameplay de Call of, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, ou alors un autre gameplay de The Last of Us, un truc qu'on verra bien. Je trouverai de toute façon quelque chose à vous proposer. Je serai à la rentrée 2015. Oh. Sphinx. Fou, je regardais pas du tout la route là. J'avais parlé dans une vidéo précédente d'un concept qui serait de le saviez-vous. Ça me j'aimerais bien le faire, mais comme je vous le dis, hein, c'est le temps qui me manque vraiment. J'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Bon, on verra bien si. Comme tout ce que j'ai envie de faire, ce sera avec de grands si j'ai le temps. J'espère que je pourrai le faire, j'espère que ça vous plaira. Hein. Cool, le scout bus qui m'arrête. Putain, il est bien défoncé. Oh mais non. Je vais la réparer parce que là, hop. Mécano mobile. Allez, 322. Hé. Et ça recommence déjà. Vous me connaissez, hein, donc maintenant c'est traditionnel, c'est la tradition dans The Crew. Quand je fais une vidéo, il faut des accidents, il faut
ma voiture soit défoncée, au moins à un moment elle soit bien défoncée. La route est quand même vachement belle. Dommage qu'on puisse pas bien regarder le paysage. Hop! Oh yolo! Qu'est-ce qu'il faut? Je viens de la réparer. L'éclat dans la vitre, dans le pare-brise arrière qui vient de se résorber. Voilà, qui s'est réouvert. Enfin, je sais pas en fait, on dirait un reflet ou un éclat, je sais pas quoi. On aurait dit un peu quand les Terminators se prennent une balle dans la gueule, les TX, je crois, et que la balle elle est aspirée. Assez. On peut dire que c'est assez stylé, hein. Voilà, j'avais envie de le dire. Ça me tenait à cœur. Ouais, c'est une Alfa Romeo, je crois, la voiture que je conduis, hein. Et franchement, elle va plutôt vite, ce qui est parfois un inconvénient. Ah oui, je voulais aussi vous parler d'un truc. Alors, je sais que j'ai très peu de poids sur YouTube, hein, mais franchement, si vous adhérez à mon idée, allez-y, balancez-le sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'un jour, on pourra voir l'idée fleurir, l'idée d'un jeu vidéo. Alors, en même temps, il a déjà des frères, des sœurs. Bon allez, j'arrête de vous donner des trucs bizarres en fait, parfois je... C'est pas grave, notez. Enfin non, je parle, merde. En gros, j'ai vu Jurassic World hier, oui, si j'ai pas vu hier. Et franchement, moi ça m'a plutôt plu. Contrairement à ce que pas mal de personnes m'ont dit, bon voilà, le scénario, on sent pas grave, c'est pas bien grave. Enfin bref, ça m'a plutôt plu. Je suis pas un grand fan. J'ai bien aimé les précédents, hein, mais je suis pas un grand fan. Et donc, je me disais, ce qui pourrait être génial, ce serait un jeu vidéo dans lequel on incarne une sorte de soldat, d'aventurier, un peu comme dans Jurassic World, Park 2, pardon, où on va dans le parc, dans le Jurassic World est dévasté, plus personne, encore une fois le projet aurait été abandonné, mais en gros on sent un jeu de survie. Alors je sais qu'il y a d'autres jeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais très, je l'ai dit de façon totalement confuse, il y a d'autres jeux, par exemple il y a Ark Survival, mais Ark c'est vraiment où on est à l'âge de pierre. Moi je parle avec quelque chose où vraiment bah, on peut, les éléments qu'on voit dans le film, et en plus les retrouver. Par exemple, un exemple très concret, dans le film Jurassic World, si vous l'avez vu, vous verrez de quoi je parle, il n'y aura pas de spoil là, a priori. De toute façon, bon, ce serait plutôt un spoil visuel possible. Donc, à un moment, il tombe sur l'ancien hall d'accueil de Jurassic Park, et après ils vont dans le garage, où ils font redémarrer une voiture en prenant je sais plus quoi comme pièce du moteur. Un démarreur ou un machin comme ça, je sais plus quoi. Et ça pourrait être vachement sympa. C'est qu'en gros, bah voilà, il fallait rassembler les différentes pièces pour pouvoir reconstruire le véhicule, tout ça. Je sais pas si c'est très clair en fait, comme ce que je dis. Mais ça pourrait être un jeu vidéo vachement sympa où, au fil de l'aventure, bah on découvre, au début, on découvre que la moto du mec. Après on découvre petit à petit les voitures, les quads, et après on peut tomber sur l'armurerie de l'équipe d'intervention, donc là on aurait des bonnes armes. Et aussi après évidemment il faudrait faire que tous les dinosaures réussissent à pulluler, donc il y a des attaques de raptors un peu en permanence, bon pas trop hein, évidemment, mais que parfois on soit opposé au T-Rex, tout ça. Et franchement je pense que ça pourrait être vachement sympa. Alors là je sens que je n'arriverai pas à le faire en un quart d'heure. C'est pas grave, c'est pas bien grave. Ce que j'ai dit devant ça mon chrono, mais je crois que là ça fait 12 minutes qu'on est parti. Bon, c'est pas grave. Enfin donc, je disais, ça pourrait franchement être un survival plutôt sympa avec pas mal d'éléments. Surtout, en fait, ce sera un hommage au film quoi. Enfin voilà.
sais pas si c'est ce que j'ai dit était. Si ça existe déjà. Ah, le clip vidéo a été sauvegardé. Donc oui, ça fait plus d'un quart d'heure. 48, ok. Excusez-moi pour ces petits trucs. En fait, je voulais. Au début, j'étais pas préparé à faire une vidéo, donc je me suis dit allez. Pour la dernière vidéo, on va leur faire un truc sympa. Petit road trip. Mini road trip. Donc, je sais pas si ça existe déjà. Si ça existe, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires pour que je le teste et pourquoi pas faire des vidéos dessus. Hein, mais c'est juste. Parce que je pense que ça pourrait être vraiment juste très très sympa. Un survol dans un univers comme ça. Voilà. Et après, pourquoi pas créer ses propres dinosaures dans le labo. Mais aussi. Ce qu'il faudrait, ce soit un mec qui. Soit un aventurier, soit un soldat, mais pas un mec comme dans le Jurassic Park 2 qui vient à cause d'une nécessité ou parce qu'il a besoin de fric ou quoi. C'est plus un mec voilà, qui a envie de voir ce que c'est qu'une jungle infestée de dinosaures. Ces paysages disons ouais donc, en clair je vous résume ce que j'ai dit un survol dans un univers dévasté dans Jurassic World dévasté dans lequel on pourrait trouver tous les éléments du film qui nous permettraient comme dans n'importe quel survol de survivre voilà si vous aimez le concept n'hésitez pas à le faire tourner pour qu'un jour on puisse voir sur nos consoles et sur nos PC ce petit jeu. Peut-être. On éteindrait, mais bon. Qui sait. Voilà, allez, j'arrête ma petite histoire, ma petite idée de jeu vidéo. Ah, après, il y a aussi un pote qui a commencé à développer un petit jeu. Je vais aller pendant. Hein. C'est pas encore une bête de combat digne des plus grands des plus grandes licences du jeu vidéo, mais bon, ça peut être sympa. C'est un petit jeu qui a développé sur un logiciel gratuit, je crois. Et je vais peut-être le tester en avant-première, la bêta, la closed bêta. Je serai comme ça le youtubeur officiel de ce jeu. Enfin, c'est un petit délire qui s'est fait. Pourquoi pas. Est-ce que c'est déjà Los Angeles qui est là-bas? Je pense, oui. Hop. Get out of my way. Hop. Distance. Ouais, là on est dans Los Angeles. Ouais, les angles droits là, ça. Ouais, on drift un peu trop tôt. Comme l'âne du même nom. Let's go! Je crois qu'elle peut monter facilement à 250 celle-là. Ouais, largement plus de 250 en fait, parce que elle monte. Sans difficulté à 250 et après.
Voilà, voilà, on arrive sur la fin de ce road trip. Et je me suis trompé de route. On arrive voilà à la fin. J'espère que ça vous aura plu, que je sais pas si vous avez fait découvrir des endroits que vous ne connaissiez pas. Terminer sur cette comment dire, sur ce port, sur ce quai de débarquement. Oh, on bourbeille dans les voitures. Voilà cette vue depuis le port de Los Angeles. Ah bah non, j'avais pas vu qu'il y avait un tremplin. Et merde. On va se faire un petit saut hein, quand même. On va pas se quitter là-dessus, surtout si c'est une de mes dernières vidéos. Je ne peux pas vous laisser là-dessus. Voilà, on va faire le petit saut là-bas. Putain, merde. Bon, voilà, il n'y aura pas de voiture sur mon chemin. Yolo, il y en a ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça me fait super plaisir, à commenter surtout, commenter, c'est vachement important pour moi. Parlez-en à vos potes, n'oubliez pas le la FAQ si on dépasse les 100 abonnés. Donc allez-y, parlez-en à vos potes. Parler de la chaîne, ça me fait super plaisir si quand je revenais de vacances, même si je serais quand même un peu au courant, hein, ça me ferait vraiment super plaisir si je voyais qu'on a dépassé les 100 abonnés, parce que c'est quand même grâce à vous. Hein. J'espère que ça vous plaît toujours autant, que vous prenez autant de plaisir à regarder ce que je fais, même si parfois c'est pas forcément du grand travail. Amis, je vous dis ciao, très bonnes vacances. J'espère que tous ceux qui, comme je disais tout à l'heure, ont eu leur lycée, tous ceux qui étaient en troisième ont eu les lycées qu'ils voulaient, que si vous n'êtes pas en troisième, que vous êtes plus vieux ou plus jeune, que vous réussirez tout ce que vous entreprenez dans la vie. Les amis, je vous dis ciao, à très bientôt et très bonnes vacances.